Bonjour, c'est bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on avec l'équipe TV Caraïbes depuis Mombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Jeudi, nous allons vous suivre une réception ambassade américaine organisée ici en Haïti. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbes voulait remercier tout le monde qui toujours mange TV Caraïbes pour information pays. Et on vous remercie ma avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Mombado Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien, nous pas perdre de temps, nous déroulons avec information yo. En ouais, Bureau Affaires Publiques Ambassade États-Unis ici dans Haïti organise une cérémonie réception pour lancer officiellement Mois Histoire Noire qui c'est février chaque année. Et bien ces informations ça nous porter pour nous pas perdre du temps, n'a commencé courrier. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir ici ce soir à notre résidence pour le début de cette période très spéciale pour nous à l'ambassade des États-Unis.
Black History Month, le mois de février tout entier. Ce soir, je voudrais commencer avec une citation qui va nous rappeler la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Ceux qui n'ont aucune trace de ce que leurs ancêtres ont accompli perdent l'inspiration qui vient de l'enseignement de l'histoire et de la biographie. Those who have no record of what their forebears have accomplished lose the inspiration which comes from the teaching of biography and history. Ces mots ont été écrits il y a plusieurs décennies par Carter Godwin Woodson, un historien américain très estimé qui était également auteur, journaliste et fondateur de l'Association pour l'étude de la vie et de l'histoire des Afro-Américains. Ainsi, comme nous le rappellent les mots de Dr. Woodson, nous sommes ici ce soir pour réfléchir sur ce que les ancêtres afro-américains ont accompli aux États-Unis et pour être inspirés par eux. Black History Month est une période où nous honorons les réalisations des Afro-Américains aux États-Unis et les contributions qu'ils ont apportées aux États-Unis depuis la fondation de notre nation. Nous prenons ce moment pour réfléchir sur les différentes façons historiques par lesquelles nos compatriotes Afro-Américains ont repoussé les frontières, démontré leur excellence, conduit des mouvements de droits civiques et rendu les États-Unis plus proche de leurs valeurs fondamentales. Qui rend Black History Month important pour nous, très important pour nous? Ce n'est pas seulement le fait de se souvenir des personnages historiques. Non, c'est aussi le fait de rassembler différentes communautés afin d'engendrer plus de progrès, plus de l'inclusivité. En 1976, à l'occasion du bicentenaire des États-Unis, cette commémoration, qui n'était qu'une célébration d'une seule semaine, est devenue une célébration de un mois entier. Et lors de notre bicentenaire en 1976, le président Gerald Ford a exhorté les Américains à saisir l'occasion d'honorer les réalisations trop souvent négligées des Noirs américains dans tous les secteurs d'activité tout au long de notre histoire. Fin de citation. Alors, je suis heureuse de perpétuer cette tradition ici en Haïti, ici à Port-au-Prince, avec mes collègues de l'ambassade des États-Unis et avec vous tous ici présents ce soir. Comme nous savons, Haïti a aussi repoussé des frontières et survécu à des adversités. Haïti a aussi démontré son excellence, bien sûr. Haïti n'a pas seulement conduit des mouvements de liberté, mais aussi une révolution qui a joué un rôle majeur, non seulement dans la trajectoire des États-Unis, mais aussi dans celle du monde entier. Alors, la célébration du Black History Month ici en Haïti a une signification particulière pour les Américains présents ici ce soir. En effet, nous reconnaissons l'influence puissante que l'indépendance d'Haïti, première nation noire, a eu sur l'histoire des États-Unis et bien au-delà. Par conséquent, à chaque fois que l'opportunité nous est offerte, nous devons continuer à célébrer ces liens tissés entre nos deux pays, Haïti et les États-Unis. L'histoire de la fondation d'Haïti, partant d'une rébellion d'esclaves au Bois-Caïman, comme on a vu avec la troupe des Rochejouets tout à l'heure,
une rébellion d'esclaves pour aboutir à la création d'une république basée sur des principes démocratiques. Ça, c'est un testament de ce que les peuples peuvent réaliser lorsqu'ils sont déterminés à travailler ensemble pour le plus grand bien, le bien-être de leurs concitoyens. Et cet état d'esprit qui consiste à vouloir travailler ensemble doit perdurer, doit continuer. Il y a une expression en créole selon laquelle Haïti est trop riche pour le pauvre. C'est-à-dire, Haïti est trop riche pour être pauvre. Haiti is too rich to be poor. Et en effet, ce pays, avec la richesse qu'il possède en termes d'histoire, cette histoire fière, en termes de la culture, doit aller de l'avant pour le bien-être de sa population. Haïti a été fondée sur les idéaux de liberté et de démocratie. Le peuple et le gouvernement ont besoin de se réengager, l'un et l'autre en faveur de ces idéaux pour le bien-être du peuple haïtien, avec un dialogue franc, un gouvernant qui sert le peuple, et des élections législatives libres et crédibles dans l'approche à venir. Et en adhérant à ces principes démocratiques, Haïti reviendra à ses racines et réitérera son engagement envers ses fondateurs. Alors, ce soir, j'aimerais encore une fois que vous saluiez par une salve d'applaudissements le formidable Monsieur Héro Josué, directeur général du Bureau national d'ethnologie et son groupe. J'aimerais aussi remercier Falodia, le groupe Rara, remarquable, qui va jouer pour nous tout à l'heure. Et finalement, mesdames, Venise Laplante et Esther Bernard, nos magnifiques hôtesses affranchies de la troupe de danse Boukoulou. Vous avez tous fait un travail extraordinaire pour mettre en relief la richesse de la culture et de l'histoire d'Haïti ce soir et pour donner l'éclat à notre célébration du Black History Month. À Washington, D.C., durant Black History Month, nous assistons typiquement à une large gamme de programmes et d'activités lancées à notre bibliothèque de Congrès, aux Archives nationales, à la Galerie nationale de l'art, au Smithsonian et dans d'autres institutions bien connues qui se mettent ensemble pour rendre hommage aux compatriotes afro-américains pour leurs contributions qu'ils ont apportées à notre pays. Et de façon similaire, ici à Port-au-Prince, nous lançons une large gamme tout le mois de février de programmes et d'activités pour célébrer Black History Month. Voilà, équipe TVKA et Blad dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'est branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbe et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.